Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Floku Uni qui est en train de faire feu. Du Dogecoin qui commence par faire feu. Oui, les gars. Pourquoi? Parce que notre ami et frère Elon Musk vient, je dis bien, il vient de donner des indirects. Nous allons analyser toutes ces situations dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de la nouvelle et intégration que doit faire Ethereum. Nous allons aussi parler de Binance et Huobi qui sont en lutte contre les hackers. Oui, contre les hackers. Vous allez comprendre pourquoi, quel est l'avantage et quels sont les inconvénients qui pourront arriver aussi à ces deux plateformes. Ce qui arrive déjà sûrement, je crois bien. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à ces chaînes, prenez l'agréable plaisir de vous abonner, d'activer la prochaine notification, car sur ces chaînes, nous venons vous donner l'information en temps réel dans l'écosystème des crypto-monnaies, dans le domaine de la blockchain, certes, comment investir. Et mieux encore, nous vous proposons notre formation qui est disponible, qui se trouve juste en description de la vidéo pour ceux qui veulent se former, comprendre, apprendre, utiliser les stratégies que nous avons. Nous avons un groupe fermé. Je vous jure que déjà ce matin-là, les discussions dans ce groupe-là, ça ne fait que cartonner là-bas. Oui, si vous n'êtes pas dans ce groupe, vous ratez beaucoup de choses. Oui. Si ceux qui se disent qu'ils sont dans le grand groupe et qu'ils ont beaucoup de choses, excusez-moi le terme de vous dire ça, vous n'avez rien là-bas. Mais dans le groupe VIP, ils ont tout. Parce que c'est les investisseurs qui ont voulu, je dis bien, qui ont voulu avoir le privilège d'avoir tout, toutes les informations. Et qui ont aussi le privilège d'inboxer les administrateurs ou venir, voilà, discuter hein, avec les administrateurs dans leur inbox 7 pour relever les problèmes ou voilà, faire des propositions. La priorité aujourd'hui hein, dans la communauté crypto gagnée est donnée aux membres VIP. Certes, il faut le comprendre. Il faut le comprendre ainsi. Alors, pour ceux qui veulent l'être, le lien se trouve en description de la vidéo et vous payez 80$, vous avez accès au cours et tout ce qui va avec le groupe en plus. Alors, nous allons rapidement voir le prix des crypto-monnaies en ce moment. Regardez un peu. Hier, le Bitcoin était à combien? Le Bitcoin était à 21 000 dollars, presque 21 600. Dès que la Fed a fait son résultat, directement le prix est revenu à 22 000. Bon, comme on dit, on s'attend au pire, toutefois en se préparant pour le meilleur. Bon, est-ce qu'on se dit c'est fini? Ce n'est pas encore totalement fini parce que dans cette économie de la crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir, sincèrement, franchement. Parce que au moment où on est en train de parler, on peut voir le Bitcoin qui va remonter en flèche, comme revoir le Bitcoin redescendre en flèche. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Le risque dans cet écosystème est énorme et grand. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci. Les gars, on dit l'actualisation, hein, et je crois bien Shanghai, qui va permettre la libération des tokens qui ont été mis en staking. Oui, je crois bien. Oui. L'implémentation qui devait avoir lieu, je crois bien, en mars, a été poussée. Oui, ici on dit. En ce programme pour accourir une masse d'implémentation qui devrait libérer Ethereum agora devrait ser voilà devrait ser activité en avril. Donc ça dit que l'équipe de Ethereum est en train de repousser cette actualisation Shanghai qui permettra de libérer les crypto-monnaies en staking. Bon, va se faire presque, je peux dire, au mois d'avril. Ce que j'aime beaucoup sur. Pourquoi j'avoue cette information-là? Juste pour qu'on puisse analyser une chose. Ethereum fait les choses lentement, mais sûrement pour ne créer aucune faille de vulnérabilité dans son réseau, dans sa blockchain, certes. Donc, vous voyez, c'est très important de ne pas, dans cet écosystème de la blockchain, de ne pas courir pour courir, mais courir en sachant se cacher face aux obstacles. Parce que dans cet écosystème, il y a plusieurs obstacles. Nous faisons face à plusieurs bugs, plusieurs faillites que quand les anarcheurs ou les hackers découvrent ça, ils exploitent ça. Donc, Ethereum fait de son mieux pour ne pas avoir ces faillites, pour ne pas donner cette opportunité à ces hackers-là d'utiliser, voilà, sa blockchain pour détourner ou faire bien d'autres choses mauvaises dans leur écosystème. Donc, je pense qu'en crypto-monnaie, surtout quand on parle d'une actualisation ou bien d'une, voilà, d'une implémentation sur quelque chose de la blockchain, il ne faut pas être pressé, sincèrement.
Il ne faut pas être pressé. Si vous êtes dans un projet et vous voyez qu'il y a beaucoup, exemple Ethereum qui devait faire des merges depuis 2021, ils ont fait ça presque en fin 2022, presque un an de retard, ça vaut la peine. Vous voyez, ça vaut la peine, hein, parce que là, le risque est très élevé. Voilà. Alors, donc, c'est la toute première information que j'ai à vous partager vis-à-vis de cette analyse. Deuxième information, celle-ci. Les gars, et on nous fait savoir que Binance et Huobi ont gelé les avoirs de presque 1 million, 1 million, plus de 1 million, 1 million 400 000, 1 million, plus de 1 million de dollars en crypto-monnaie des hackers nord-coréens. Certes, vous voyez, moi je me dis, les hackers nord-coréens, bon, les hackers savent très bien qu'on retrace toutes les transactions. Hein. Donc, Huobi a bloqué et Binance a bloqué. Ça veut dire simplement que les échangeurs sont souvent en communication. Les échanges sont souvent en communication. Donc, quand quelque chose ne va pas, ils se communiquent pour essayer. Ça, c'est bien. C'est le point positif. C'est le point positif qui est cette communication entre les échangeurs. Mais au même moment, il manque de communication avec les grands. Mais les grands et les petits, il y a une communication. Mais les grands et les grands, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, la communication. Certes, on a parlé de cela dans cette, voilà, dans les deux vidéos, dans les deux vidéos ici, surtout avec Coinbase et Binance. Alors, et quand nous voyons très bien, on dirait les hackers nord-coréens. Mais qu'est-ce que Binance et Huobi sont en train de faire? Ils sont en train de, je peux dire en gros, pousser les hackers à les déranger plus. Parce que quel hacker va voir son compte se geler et va se taire s'il a la possibilité d'attaquer ceux qui ont gelé ses comptes? Ou un peu le risque, mais c'est comme je disais au début de la vidéo, ce n'est pas la première fois que Binance ou Huobi ou les autres échangeurs se font attaquer. Les échangeurs sont attaqués chaque jour que Dieu fait. Ça, je crois pertinemment que c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a de l'argent là-bas, donc le hacker reste là où il y a l'argent. Donc, plus le hacker va vouloir faire un effort considérable pour récupérer ces 1 million de dollars, mais d'une façon ou d'une autre. Parce que, et ce qui m'étonne, c'est que sur Binance, il faut faire obligatoirement le KYC. Sur Huobi, il faut faire le KYC. Et le KYC là donne l'identité de la personne qui, certes, peut-être ils utilisent une fausse identité, mais avec des vrais papiers, peut-être. Donc ça veut dire que Binance et Huobi connaissent l'identité du hacker. Peut-être la vraie ou bien le faux identité du hacker. On ne sait pas. Hein? Bon, on ne sait pas. Parce que s'ils déposent et bloquent le compte, ça veut dire que c'est un compte qui a été vérifié avec les pièces d'identité, certes, nécessaires pour passer la vérification. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent l'identité du hacker. Et ils savent que c'est les hackers de la Corée du Nord. Peut-être ils ont pris des faux papiers pour faire cette identification. Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que Binance et Huobi sont en train de se créer plus d'ennuis. Toutefois, en cherchant, en nous épargnant. Donc, Binance et Huobi sont en train de collaborer pour voir comment ils peuvent faire pour, voilà. Et je ne sais pas si cet argent-là, ils vont retourner ça au projet qui a été volé ou cet argent-là, ils vont faire quoi? Ils vont se diviser. Parce que vous savez, quand tu arrêtes le voleur chez toi et tu vois qu'il a volé tout le monde, bon, il a volé plusieurs personnes dans le voisinage, mais quand tu l'arrêtes, bon, après, c'est à toi de décider si tu prends tout ce qu'il a volé ou bien tu vas redonner tout ce qu'il a volé au voisin qu'il a volé. Je ne sais pas. Après, on verra bien ce que Binance et Huobi feront vis-à-vis de cela. Alors maintenant, venons-en maintenant. On va parler de. Oui, on va parler de Floki, les gars. On va parler de Floki et de Dogecoin. Oui. De tout ce qui est chien. Shiba, tout ce qui est chien. Les gars, Elon Musk s'est encore réveillé. Hein? Aujourd'hui, pour nous dire, il est fâché. Vous savez, Elon Musk, c'est. Je veux pas. Si on prend. J'essaie de peser mon mot. Si on prend le coupable, on va dire, Elon Musk est un coupable. Il revient toujours sur le lieu du crime. Tout à l'heure, on a dit ça dans le groupe VIP. Les gars, je dis et je vous répète encore, si vous avez la possibilité de vous former, allez vous former ailleurs, si vous pouvez. Si cette tête-là ne vous plaît pas. Mais si vous voulez comprendre, savoir, appliquer certaines stratégies et comprendre le mangeant vivant, parce que actuellement dans le groupe VIP, nous sommes en train de manger vivant. Venez nous rejoindre. Il y a certaines personnes qui peuvent se dire, non, moi, je n'ai pas besoin de cela. Mais c'est un groupe très animé, les gars.
C'est un groupe très animé. Il y a toujours quelque chose à dire là-bas. Ah, il y a toujours quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Ou des analyses à faire chaque fois. Quand moi, personnellement, quand je vois un message dans le groupe là-bas, je fais cette... Hein, je donne mon point de vue et d'autres aussi donnent leur point de vue. Et c'est un groupe d'investisseurs qui te permet d'ouvrir ton mindset vers d'autres horizons. Ne sois pas fermé sur toi seul en te disant « Moi, je me suffis. » Non, une seule personne ne peut jamais applaudir. C'est plusieurs mains qui applaudissent. Oui, c'est les deux mains qui applaudissent. Une seule main là ne peut pas applaudir. Donc, ne reste pas dans ta zone de confort. Tu dis « Moi, je n'ai pas besoin de ce groupe parce que je connais déjà tout. » Non. Non. Viens nous rejoindre, tu vas voir que peut-être tu connaissais certaines choses, mais tu ne comprenais pas certaines choses. Connaître une chose est différent de la comprendre. C'est deux choses bien différentes. Oui. Alors, le lien se trouve en description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors, je continue ici en disant, Elon Musk a bel et bien tweeté Floki. Attention, il a bel et bien tweeté Floki. On a envoyé même les captures d'écran avec les dans le groupe. Vous allez comprendre ici aussi. Et Elon Musk a aussi indirectement parlé aussi du Dogecoin. Oui, indirectement. Parce qu'il a retweeté quelque chose qu'on a déjà montré. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Dans cette vidéo, Dogecoin et Elon Musk en silence. Qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo il y a cela deux jours? Deux jours simplement. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, vous ne serez pas surpris. Parce que dans cette vidéo, on a déjà expliqué, mais quand on a fait cette vidéo, les gens ont zappé. Maintenant, les gens courent pour aller regarder la vidéo-là parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que j'ai raté? Les gens, vous aimez faire médecin après la mort. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Hein? En tout cas, bon, moi j'avance. On dit, le chien boit. Caravane passe. Donc, Elon Musk, qu'est-ce qui s'est passé? Elon Musk, regardez, je suis sur le tweet de Elon Musk ici. Je suis sur le tweet. Le tweet de Elon Musk que vous êtes en train de voir. Certes. D'abord, pour vous prouver que Elon Musk a tweeté le Dogecoin, regardez ici. Ce monsieur-là, hein, ce monsieur-là, hein, regardez ce tweet. Dog Dizemme, c'est un développeur du Dogecoin. Regardez dans cette vidéo. Comme il dit, si ces chiens là, si tu vois une notification venir de vidéo là et tu ne vas pas regarder là, sûrement que peut-être tu es en train de rater une opportunité. Regardez ici, voilà ici, je mets une pause ici. Dog Dizemmer, regardez. Et dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer ce que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo. Je ne vais pas expliquer ça ici. Je vous jure, je ne veux pas, parce que je ne vais plus faire ça quoi. C'est une perte de temps parce qu'il y a trop de nouvelles en crypto qui avancent. Donc, je ne vais pas perdre mon temps encore à expliquer ce que j'ai déjà expliqué ici. Donc, ici, je parlais de cela et je parlais de Elon Musk dans cette vidéo avec cette information-là. Regardez ici, sur le tweet de Elon Musk, ici. Elon Musk retweet. Elon Musk retweet. Pour moi, c'est en portugais. Retweet. Il a retweeté hein, le design. Le design du chef. Le design du chef. Hein, de Twitter. Voilà, du chef de Twitter. Voilà donc. Et en retweetant cela, il veut simplement dire qu'il est d'accord de ce que ce monsieur-là est en train de dire. C'est lui qui a retweeté. Donc ça veut dire que Elon Musk est en contact. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, vous comprenez déjà. Donc Elon Musk est en contact, peut-être directement ou indirectement, avec ce dernier-là. Parce que Elon Musk ne retweet pas n'importe quel tweet. Attention. Ça, c'est concernant le Dogecoin. Et nous allons voir la réaction du Dogecoin vis-à-vis de cela. Le Dogecoin a fait un petit 5%. Avec, regardez très bien. Regardez très bien. Avec un volume de plus de 100%. Ce n'est pas moi, Aristide, qui viens dire. Un volume de plus de 100%. Ça veut dire que 102%. Ça veut dire que quelque chose peut se préparer au moment où je suis en train de vous dire cela. Vous allez voir ça en flèche. Vous. Et bon, tant mieux. Les mains vieilles, vous savez ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. On a toujours expliqué ça dans le groupe. Alors, on continue. Et le tweet de 6 heures de temps, voilà, et le manque de tweet encore, le style du chien. Bon, ça, ce n'est pas encore un problème. Il est fanatique des chiens. On continue. Mais, ça là, il n'a pas porté. Bon, vous voyez un peu le logo de tweet ici. Maintenant, regardez bien comment Elon Musk a tweeté Floki. Regardez, en fait, Elon Musk ne fait rien au hasard. Il ne fait rien. Donc, ça dit que le chef de tweet est assis. Hein, il est assis hein, avec son petit ordinateur, avec le petit chien là, et dans son bureau, oui. Et nous regardons ici
Regardez ici, c'est pourquoi vous devez partager cette vidéo au maximum dans le groupe Floki. Pour leur montrer qu'effectivement, ce n'est pas du fake news. Elon Musk a tweeté indirectement Floki en mettant l'image du chien qui est toujours symbolisé sur le Dogecoin ou Shiba Inu. Mais maintenant, c'est Floki. Regardez, quand vous voyez sur ce papier-là, le nom là, c'est Floki. Le titre là, c'est le chef exécutif des opérations du bureau. Voilà, donc, il a tweeté indirectement Floki. On continue. Ça, il a tweeté deux fois Floki. Ou trois fois. Deuxième ici, vous allez voir ici, c'est le même, le chien qui a porté. On a mis CO tweet et CO de Twitter avec gravaté tout cela. Ici, on voit encore le même chien, hein, ou un autre chien, où on met seulement un logo, on met seulement le CO. CO de quoi? Sur Twitter, parce qu'il y a le logo de Twitter. Et on voit encore ici, Floki. On voit encore Floki. Bon, là, ça dit beaucoup de choses, les gars. Ça dit beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a pris cette image-là quelque part, mais c'est sur le tweet officiel. Après, je vais faire les recherches d'images pour les membres VIP pour mieux comprendre ces images-là. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors donc, on s'arrête là. Donc, Elon Musk a retweeté deux fois Floki. Je dis bien, il a retweeté deux fois Floki que vous êtes en train de voir ici. Et regardons comment Floki a réagi vis-à-vis de cela. Ici, Floki, les gars. Floki. Et même quand nous voyons le logo Floki, c'est un chien avec, voilà, avec des cornes, je ne sais pas moi. Je crois que ça rappelle un film, quelque chose de ce genre. Et Floki a fait purement et simplement 31%. Avec un volume de 450%, les gars. C'est énorme. Et ce que nous remarquons, c'est que Floki n'est pas listé sur... Certes, pour le moment, elle n'est pas listée sur des grands échangeurs. Mais elle est en train d'attirer l'attention des échangeurs. Elle va attirer l'attention des échangeurs. Oui, très bientôt, vous allez voir, elle va attirer l'attention des échangeurs. Parce que quand les échangeurs vont commencer, les gens vont commencer par voir cela clairement comme de l'eau de roche. Ils vont dire non, effectivement, Elon Musk a retweeté Floki de façon directe ou indirecte. Toutefois, en se passant pour le Dogecoin. Je ne saurais vous le dire. Mais je pense que je vais approfondir plus mes recherches vis-à-vis de, voilà, des recherches d'images avec cela, voilà, dans le groupe VIP pour les gens qui sont VIP pour mieux comprendre. Parce que, comme on dit toujours, le coupable vient toujours sur les lieux du crime. C'est ce que je disais tout à l'heure dans un audio au moins VIP. Vous voyez, Elon Musk là, il avait tuté Baby Doge ou bien, il avait tuté certains crypto-monnaies. Il revient toujours sur les lieux du crime. Il est comme ça, il faut le comprendre. Et ce qu'il est en train de faire, c'est Elon Musk est en train de faire une levée de fonds. Comme le dit Saudo, c'est le vœu de fonds que le gars est en train de faire. Alors, vous allez le donner vos fonds ou vous allez aussi lever les fonds comme lui aussi est en train de lever les fonds dans ce projet-là. Point d'interrogation. Après, à chacun de donner la réponse qui lui semble adéquate vis-à-vis de cela. Restez connectés, partagez la vidéo là au maximum dans le groupe pour informer la communauté que quelque chose pourrait toutefois arriver avec Floki, avec Elon Musk qui a commencé ses indirects. À la prochaine vidéo et ciao.